Le 25 juin 1983, Nailin Marshall participe à un pique-nique avec ses parents et d'autres enfants. Tout se passe bien, les enfants jouent ensemble et les parents discutent. Jusqu'au moment où le groupe d'enfants sort de la forêt sans Nailin. Cette affaire, qui peut paraître au premier abord extrêmement banale, va vite faire apparaître des détails terrifiants. Lettres anonymes, appels téléphoniques, parents suspects, bienvenue pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on retourne cette fois-ci dans une forêt américaine. Voilà, ça faisait environ un mois qu'on n'avait pas été dans une forêt américaine et cette fois-ci, je vous ai trouvé une histoire très, très intrigante. Alors réellement, préparez-vous, fermez les lumières, j'allais dire fermez les volets, mais vous m'avez compris, augmentez le son et n'oubliez pas à la fin de la vidéo de venir me soutenir sur Utip. C'est super important pour combattre la démonétisation, donc je compte sur vous. N'oubliez pas également d'activer la cloche de toutes les notifications de la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Bref, on est parti pour une nouvelle HVF. 25 juin 1983. Notre histoire débute au mois de juin 1983. Nailin, 4 ans, vit dans le Montana à Warm Springs Creek avec ses parents, Nancy qui est serveuse dans un restaurant et Kim, quant à lui, qui est passionné de radio, voilà, qui a un petit groupe de radio local et qui prend à côté de ça des cours d'électronique. Voilà, ses parents sont venus à Warm Springs Creek, une toute petite ville, on peut même appeler ça un village comme vous le voyez sur les photos. Il y a seulement quelques maisons, ils avaient envie de campagne, pouvoir s'éloigner de la ville et je pense que ce petit village leur correspond bien. C'est d'ailleurs les amis de la radio locale de Kim qui lui ont proposé d'organiser un petit barbecue en forêt. Voilà, c'est vraiment une toute petite radio, ils sont seulement une dizaine, ils sont pas une centaine comme les grandes radios et tous les ans ils ont l'habitude d'organiser un petit repas tous ensemble. On peut d'ailleurs voir des photos sur leur site internet. Donc jusque là, rien de suspect. Ce jour-là, il fait super beau et tout ce petit monde part alors dans la forêt avec un barbecue, des sandwichs, des saucisses, bref, de quoi passer une bonne journée. Bon, alors vous imaginez bien qu'ils plantent pas le barbecue en plein milieu de la forêt, ils marchent plusieurs dizaines de minutes et ils finissent par tomber sur une petite clairière qui est entourée de la forêt. Voilà, ils posent le barbecue, leur but c'est pas du tout de foutre le feu à la forêt, hein, bien évidemment. Le repas se passe bien, Nailin se fait quelques amis et les parents discutent entre eux. Voilà, c'est vraiment une belle journée, ensoleillée, bien chaude, on est à la fin du mois de juin donc il fait super beau. Bref, c'est la journée idéale pour faire un barbecue. À ce moment-là, vous imaginez bien que rien ne laisse présager que la vie de Nancy et Kim va changer à jamais d'ici quelques heures. 16 heures. Il est maintenant 16 heures, les parents sont toujours dans la clairière et certains font même une petite sieste pour digérer le gros repas, le gros barbecue qu'ils viennent d'avaler. Les enfants, quant à eux, font des allers-retours entre la forêt et la clairière. En effet, ils ont trouvé dans les bois une cabane abandonnée et ça les fait rire et ça leur fait peur d'essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant ce moment-là, pendant que le groupe d'enfants est occupé à la cabane abandonnée, Nailin va suivre deux garçons qui repartent en direction de la clairière pour aller voir leurs parents. Elle est à ce moment-là derrière les deux garçons et elle marche très lentement puisqu'elle est pieds nus. Me demandez pas pourquoi, voilà, elle avait envie à ce moment-là d'enlever ses chaussures, peut-être qu'elle avait mal aux pieds et donc elle décide d'enlever ses chaussures dans la forêt et de suivre ces deux garçons pour retourner voir ses parents. Les deux garçons sortent alors de la forêt, ils se retournent et ils se rendent compte que Nailin ne les suit plus. Sur le moment, ils ne disent pas grand-chose et lorsqu'ils arrivent vers leurs parents, ils disent simplement « Oh bah, Nailin nous suivait et puis on l'a pas revue, elle ne nous a plus suivis, voilà, elle a dû retourner à la cabane abandonnée. » Ils disent ça complètement innocemment sans se rendre compte de l'ampleur que va prendre l'affaire. Cette simple phrase fait immédiatement réagir Nancy qui se lève, voilà, par réflexe, qui entre dans la forêt et appelle Nailin. Voilà, elle n'a que 4 ans, si elle a été laissée seule sur le sentier de la forêt, il se peut qu'elle n'arrive plus à rejoindre la cabane. Donc Nancy appelle Nailin. Kim, quant à lui, se lève à son tour et se met également à appeler sa fille qui ne répond pas. Rapidement, ce sont
tous les parents qui se lèvent et qui commencent à appeler Nailin. Au bout de quelques minutes, le prénom de la fille résonne dans toute la forêt et tous les enfants sont de retour à la clairière, sauf elle. Certains enfants vont alors dire à leurs parents que un homme, apparemment en jogging, a tenté de les attirer un peu plus loin dans la forêt en leur disant de jouer au jeu qui s'appelait, selon lui, Attrape mon ombre. Voilà, il disait aux enfants de suivre son ombre pour tenter de l'attraper. Cette phrase va terrifier les parents qui se mettent alors à hurler le prénom de Nailin. Qui est cet homme qui a abordé les enfants? A-t-il réussi à piéger Nailin? Il faut rapidement réagir. Pour ceux qui suivent mes vidéos chaque semaine, vous savez sûrement ce qu'il va se passer. Les secours sont alors rapidement alertés et à l'échelle du Montana, l'une des plus grandes opérations de recherche jamais menée est déployée. Il faut retrouver Nailin. La nuit est en train de tomber, elle a 4 ans et elle ne survivra jamais aux orages qui approchent. Le ciel commence peu à peu à se griser, donc des équipes de secouristes sont immédiatement déployées sur place. À ce moment-là, on n'utilise pas du tout le terme disparition, mais plutôt le fait qu'elle se soit sûrement perdue dans la forêt pour ne pas paniquer les parents. Un hélicoptère avec détecteur de chaleur va alors être déployé pour essayer de retrouver Nailin qui est peut-être simplement en train de marcher dans la forêt. Des plongeurs vont alors sonder les rivières qui entourent la forêt et qui sont près de la clairière. Une centaine de bénévoles en à peine une heure vont se déployer dans toute la forêt. Ils vont tenter de ratisser la moindre zone à la recherche de n'importe quoi. Une touffe de cheveux, une trace de pas, des paires de chaussures, quelque chose. On va même déployer sur place Duck, l'un des meilleurs chiens chercheurs de la région qui, lors de toute sa carrière, a retrouvé pas moins de 37 personnes perdues dans la forêt. S'il y a bien un chien qui peut retrouver Nailin, c'est lui. Eh bien, ce chien va réussir à sentir l'odeur de Nailin sur plusieurs mètres, puis d'un coup, il va s'arrêter. Il ne sent plus rien, comme si Nailin s'était complètement volatilisée. Malheureusement, après de longues heures de recherche, les enquêteurs sont obligés d'arrêter, puisque l'orage commence à faire rage dans la forêt. Il pleut, il tonne, la forêt, les arbres tremblent de partout et ça ne sert à rien. Ils ne retrouveront rien ce soir-là. Imaginez l'état des parents qui savent que leur fille est sûrement dans cette forêt qui est en train de se déchaîner à cause de l'orage et ils ne peuvent absolument rien faire à leur échelle. Pendant une semaine, tous les jours, des bénévoles et des enquêteurs vont ratisser le moindre coin de la forêt. On va même assécher les barrages qu'avaient fait les castors pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. On ne retrouvera absolument rien. Et après 9 jours, le shérif du comté décide d'arrêter les recherches puisque malheureusement pour lui, Nailin n'était vêtue que d'un short et d'un t-shirt. À son âge, après 9 jours dans la forêt, il est impossible qu'elle ait survécu. Quant à l'homme habillé en jogging, il ne sera absolument jamais retrouvé et aucun portrait robot de lui ne sera fait. A-t-il réellement enlevé Nailin? C'est ce que les enquêteurs vont tenter de comprendre 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Nous sommes en 1986. Voilà maintenant 3 ans que Nailin n'est pas réapparue. Elle s'est comme évaporée en plein milieu de la forêt. En cette année 1986, le bureau des enquêteurs va recevoir une lettre d'un homme se présentant comme l'homme ayant pris Nailin. Cette lettre, je vais vous la lire. J'ai choisi Nailin. Elle pleurait et était effrayée. Et alors que je la tenais, elle tremblait. J'ai décidé de la garder et de l'aimer. Je l'ai amenée à la maison avec moi. J'ai un bon revenu et je peux travailler à la maison. Donc je m'occupe d'elle tout le temps. Je lui apprends à la maison et elle aime venir avec moi quand je voyage. Elle se fera un plaisir de vous raconter nos voyages. Nous étions en Grande-Bretagne depuis un mois l'année dernière et elle a adoré. Personne ne remet en question les passeports. Ses cheveux sont courts et bouclés et elle a vraiment grandi. Elle prend un bain et se brosse les dents tous les jours. C'est une petite fille adorable et j'ai appris à l'aimer. Je réalise à quel point elle doit manquer à sa famille. Mais elle s'est adaptée et semble heureuse. Elle me fait confiance et n'a pas peur. Je ne peux pas la laisser partir. Concernant cette lettre, à l'époque, tout n'a pas été dévoilé puisque les enquêteurs ont dit que la lettre
contenait des éléments qui n'avaient jamais été révélés au public. Et cette lettre a été envoyée depuis le Wisconsin. C'est quelque chose de très très important dans cette affaire, vous allez voir. Le Wisconsin se situe à plus de 20 heures de la forêt, mais bon, vous imaginez bien qu'en 3 ans, ils ont largement eu le temps de parcourir cette route. Et, petit détail très important, avant de recevoir cette lettre, les enquêteurs avaient reçu un témoignage d'une personne disant avoir vu Nailin dans un restaurant du Wisconsin. Très étrange coïncidence. Personnellement, dans ce genre de cas, je pense que les coïncidences, justement, n'existent pas. De plus, une fondation nommée la Shield Find va recevoir un appel d'un homme également passé depuis le Wisconsin, disant que, également, c'est lui qui a enlevé Nailin. Ces appels vont être tracés et ils proviennent d'une borne téléphonique à côté d'un magasin. Je crois, si je me souviens bien, que c'était une pharmacie. Eh bien, lorsque les enquêteurs vont se mettre en planque à côté de cette borne téléphonique, les appels ne seront plus jamais passés depuis cette borne. Je pense que l'homme qui a fait ça, et surtout l'homme qui appelait justement depuis cette borne, a rapidement remarqué qu'il y avait une patrouille de police qui planquait à côté. Et c'est très dommage puisque, à mon avis, l'histoire aurait pu être résolue très rapidement. L'homme qui a envoyé cette lettre et qui a passé ses appels téléphoniques ne sera finalement jamais identifié. Mais accrochez-vous puisque, peu à peu, le mystère augmente. Dans les années 1900, Nancy est en vacances au Mexique avec Kim. Elle sera retrouvée un soir, inanimée dans une ruelle, victime apparemment d'un acte de folie. À ce moment-là, plusieurs personnes ont commencé à soupçonner Kim d'avoir éliminé sa fille, puis sa femme. Mais il n'y a jamais eu d'éléments réels contre lui. Et on en vient à l'un des plus gros points de l'affaire, puisque pendant mes recherches, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je ne me contente pas de lire uniquement les articles, j'ai essayé de chercher des personnes ayant été retrouvées dans le Wisconsin. Et accrochez-vous, puisqu'en 1999, une femme âgée de 19 ans, c'est l'âge qu'aurait eu Nailin à cette époque, a été retrouvée dans un champ de maïs. Cette femme, apparemment, avait été abandonnée dans ce champ de maïs plusieurs jours auparavant et malheureusement, elle ne s'était jamais relevée puisqu'elle était très peu nourrie. Les experts ont dit que c'était sûrement une personne qui avait été enlevée apparemment, puis piégée, mise dans une pièce sans jamais pouvoir ressortir. Malheureusement, pendant mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver si ce cas avait été mis en relation avec celui de Nailin, et donc j'ai pas pu savoir s'il y avait eu des tests de faits ou autre, mais quoi qu'il arrive, je pense réellement qu'il y a tout de même une ressemblance et qu'il y a, pourquoi pas, quelque chose à creuser. Malheureusement, c'est comme ça que se termine l'histoire de Nailin. Personne ne l'a apparemment plus jamais revu, plus jamais identifié et on ne sait absolument pas ce qui a pu lui arriver. La forêt a été complètement fouillée de fond en comble. On a même fouillé d'anciennes mines pour voir si elle n'était pas tombée dans un trou, mais on ne l'a jamais retrouvée. Que s'est-il passé pendant ce court moment où les deux garçons sont partis à la clairière et que Nailin était derrière eux? Est-ce que quelqu'un a pu l'attirer? Est-ce qu'une bête a pu l'emporter? On ne sait rien. En seulement une toute petite dizaine de minutes, Nailin s'est complètement volatilisée de la surface de la Terre. Et c'est réellement pour ça que je voulais vous parler de cette histoire, puisque je la trouve très intrigante. Nailin n'a donc jamais été retrouvée. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez forêt en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire. N'oubliez pas non plus de venir me soutenir sur Utip. C'est super important, vraiment, je compte réellement sur vous. Même si la pub ne rapporte que 0, quelques centimes, eh bien, si vous êtes des milliers à le faire, ça peut beaucoup m'aider, donc je compte sur vous. N'oubliez pas également de venir me soutenir sur Instagram et Twitter. Voilà, je poste souvent les nouvelles vidéos et je parle également de mes recherches concernant les HVF. Ah oui, bon, évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, mais ça, j'ai pas besoin de vous le dire, je vous fais confiance. C'est Max Kai, on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes. Et puis,